Rock and Pop Stories. Asia, Heat of the Moment, 1982. Mélanger un ex King Crimson, John Wetton, ajouter un ex Yes, Steve Howe, n'oubliez pas une bonne dose d'Emerson, Lake and Palmer avec Carl Palmer, et compléter avec un ex Buggles, Geoff Downes, et vous obtenez ce qu'il est convenu d'appeler un supergroupe baptisé Asia. Tout ce beau monde s'installe au studio Town House de Londres de juin à novembre 81 pour l'album qui va marquer l'année 82. Heat of the Moment est la chanson qui va porter si haut ce premier album éponyme d'Asia. C'est John Wetton et Geoff Downes qui signent cet énorme hit. En ce début des années 80, le hard domine le rock, une musique plutôt machiste où il est rare de trouver un texte où un type s'excuse auprès d'une fille pour avoir mal agi envers elle. C'est pourtant l'essence même de la chanson qui décrit l'intensité de l'amour dans un jeune couple. Pour John Wetton, qui signe le texte, c'est un message personnel à sa chérie, Jill, qui plus tard deviendra sa légitime épouse. Il explique « Toute la chanson est une demande d'excuse. Je lui dis « J'ai merdé, I fucked up. J'ai été voir ailleurs et je n'aurais pas dû. Je ne veux pas être comme ça, je suis sincèrement désolé. » Wetton a une autre raison pour écrire ce texte, laissant ainsi transparaître sa sensibilité. Il veut se rapprocher du style de Joni Mitchell, l'une de ses idoles en matière d'écriture de chansons. Ses textes écrits à la première personne et remplis d'émotions sont typiques de Joni Mitchell et ont une grande influence sur Heat of the Moment et les autres chansons de ce premier album d'Asia. À l'origine, Heat of the Moment a un petit parfum country. Geoff Downes nous dit pourquoi. John avait déjà un refrain, mais dans une couleur différente de la version définitive, ça sonnait vraiment country. Lui avait le refrain, j'avais les couplets, donc un après-midi, nous avons réuni nos deux bouts de chansons, nous avons composé le pont du milieu, puis John a écrit tout le texte, et le lendemain, la chanson était terminée. Ce qui est dingue, c'est que c'est la dernière que nous ayons écrite et c'est devenu un énorme hit single. Pour la réalisation du clip de Heat of the Moment, Asia fait appel à Codley & Cream, musicalement connu sous le nom de groupe de 10cc, mais devenu des références en matière de vidéo. Le clip va connaître un énorme succès sur MTV, propulsant Heat of the Moment à la 4e place du hit américain, tandis que le premier album d'Asia, paru le 18 mars 82, va passer 9 semaines à la première place des classements US et canadiens. Et le magazine de référence Billboard le proclame album de l'année. La suite de leur carrière sera plus erratique, entre départ de certains, retour d'autres, mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.